Good morning, Aleiden, les tutors aujourd'hui, le Nishmat, Amram Yonah ben Chana, Nissim ben Ahuda et Sarah bat Chana Rachel, ainsi que l'Irfouat, Ariakiva ben Shachar, et Rafael Zulun ben Chaya, Malia Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Avot, Perek Dalet, Mishnayot, Bet Gimel et Dalet, Mishnah Bet, Ben Azayomer, Everatz, le Mitzvah Kala Keba Chamura, Uberach, Min Avera, Che Mitzvah Goreret Mitzvah, Vavera Goreret Avera, Shishar Mitzvah Mitzvah, Ushar Avera Avera. Ben Azaï nous enseigne, avait l'habitude de dire, il doit donner comme conseil, Everatz le mitzvah kala kebachamura. Habitue-toi à toujours courir pour accomplir une mitzvah, même qui te semble kala, simple, une mitzvah facile, pas tellement importante, négligeable. Eh bien, cours pour l'accomplir. Il y en a qui disent qu'il faut dire ou non kebachamura, comme tu pourrais courir pour accomplir la plus grande des mitzvahs, la plus belle des mitzvahs. Et inversement, au boreach, mina avera, fuis toute transgression, même ce qui peut te sembler une petite transgression même, et bien fuis-le complètement. Pourquoi ? Chez mitzvah goreret mitzvah, va avera goreret avera. Car une mitzvah, l'accomplissement d'une mitzvah, entraîne une autre mitzvah, et une transgression entraîne une autre transgression. C'est-à-dire, il y a une réalité que l'homme s'habitue à tout. On est capable de s'habituer à toutes les situations. Et sache que si naturellement, alors les mitzvot, accomplir la Torah, les mitzvot, ça peut paraître quelque chose d'un petit peu dur, lourd, pour quelqu'un que naturellement n'a pas été habitué, et bien sache qu'en te forçant à le faire, dès que tu vas commencer à le faire une première fois, tu verras que la deuxième fois, elle sera beaucoup plus facile, tu vas comme ça t'y habituer. Et inversement, plus l'un homme, il va se laisser aller à la faute, à la transgresser, plus finalement il va descendre, descendre et s'enfoncer encore plus, au point où ça va devenir de plus en plus naturel. Chez Shechar mitzvah, et en plus de ça, à part le côté, si je peux dire, psychologique, naturel, que en t'habituant à faire une mitzvah, alors ce sera plus facile la deuxième fois, ouais, faites le test, je sais pas moi, si quelqu'un a des problèmes à se lever le matin, par exemple, pour faire la tefillah, ben, qu'est-ce qu'il dit ? Bon, c'est demain matin, je me lève. Demain matin, ça va être très dur. Allez, le surlendemain, il va dire, allez, je continue. Et le surlendemain, et puis jour après jour, du coup, ça va devenir beaucoup plus facile pour lui de se lever. S'il se fixe, par exemple, que dès que mon réveil sonne, je me laisse 2 minutes et je suis debout. Et bien, il va le faire une fois, ce sera peut-être dur, 2 fois, mais à la fin, ça va devenir une nature à l'intérieur de lui. Et donc, à part le côté, si je peux dire, conséquence naturelle de réussite ou non, selon la mitzvah ou la vera, sache qu'en plus de ça, « Shesrar mitzvah » car le mérite d'une mitzvah sera de te faire accomplir une autre mitzvah, c'est-à-dire du ciel. Comme ça, il explique le Bartanois dans la première interprétation. Car en plus, donc, du fait que tu t'habitues à faire une mitzvah, que ça devient plus facile pour ensuite, à part ça, du ciel, tu vas devenir méritant, au point où on va t'aider à accomplir une deuxième mitzvah, une autre mitzvah encore plus, de manière à t'augmenter ton salaire. Et inversement, où sera Avera, Avera. Et le salaire d'une Avera, ce sera au contraire qu'on va perdre la protection qui pouvait nous tenir à l'écart de la Avera, et donc tomber encore plus davantage dans la Avera. D'accord ? Dans le Nefesh HaChaim aussi, il explique davantage par rapport au Sram Mitzvah, que dès qu'on accomplit une Mitzvah, même avec l'intention, uniquement l'intention de vouloir accomplir une Mitzvah, qui est déjà considérée comme une Mitzvah, rien que par cela, on reçoit une aide du ciel qui va nous aider à un Ruach Kdusha, il appelle ça, un souffle de Kdusha qui vient, qui nous entoure pour nous aider à faire encore plus et à accumuler, à acquérir encore plus de proximité avec Hachem. Inversement pour la Vera, bien sûr. Huaya Omer, Mishnah Gimel, Huaya Omer, Altei Baz Lechol Adam, Valtei Maflig Lechol Davar, She'en Elcha Davar, She'en Lo Sha'a, Ven Elcha Davar, She'en Lo Makom. Huaya Omer, Ben Azaï avait encore l'habitude de dire Altei Baz Lechol Adam. Baz, ça vient de l'évazote, mépriser. Ne sois pas méprisant de chaque homme, c'est-à-dire ne méprise pas tout homme. Ne dis pas, on va expliquer pourquoi précisément. D'abord, je préfère rester proche des mots, et après, expliquer un peu le principe. L'altei maflig lechol davar. Et n'écarte pas toute chose, ne te crois pas à l'écart, protégé de tout incident ou de quoi que ce soit. Pourquoi ? She'en lecha adam she'en lo sha'a. Car il n'y a pas d'homme qui n'a pas son heure d'apogée, où finalement il va réussir à prendre le dessus. Il n'y a pas de choses
qui n'a pas le lieu ou au contraire son lieu d'apogée où il va réussir. Il va nous apprendre, Ben Azaï, quelque chose de très important. Toute chose qui existe sur Terre, que ce soit des êtres humains, ou que ce soit même n'importe quelle chose, ouais, tu fais ça, tu apportes même des exemples d'insectes qu'on pourrait comprendre comme négligeables, ne crois pas que ces choses-là ne pourront jamais t'atteindre, et que, donc, par hasard, par exemple, tu pourrais te considérer, on va parler d'homme par exemple, considérer que tel homme, tu vas te permettre de parler contre lui, de lui faire du mal, et finalement tu vas réussir à t'en sortir, et tu crois qu'au bout du compte, ça va pas, on va pas réclamer vengeance de lui. Ne sois pas base, l'école Adam, ne crois pas que chaque chose, elle est forcément, chaque être humain, ou chaque père, chaque chose, tu es à l'abri d'elle. Et donc de ce fait, tu vas te conduire mal envers elle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas, chaque chose a le lieu ou l'heure où justement il aura son heure de gloire. Et finalement, tu vas toi te retrouver ennuyé par lui, tu vas avoir besoin de lui, tu vas être gêné de lui demander son aide. D'accord ? Pourquoi ? Parce que chaque homme finalement qui est sur terre même, alors il a son heure où est-ce qu'il doit justement exceller dans quelque chose et toi tu auras besoin de lui. Donc ne le méprise pas, idem avec les choses, les objets, ne les prends pas en dérision, d'accord ? Parce que finalement, il y aura un moment où justement tu auras besoin d'elle, comme c'est rapporté la fameuse histoire avec par exemple David Ameller, qui avait demandé, un midrash qui raconte, il avait demandé à quoi sert un fou, jusqu'au jour où David Ameller s'est retrouvé dans le camp ennemi, et puis on a commencé à le reconnaître, on a failli lui faire la peau, et du coup il s'est fait passer pour un fou. Et du coup il a réalisé que ça valait le coup d'avoir des fous sur terre des fois. Comme ça au moins on peut des fois faire le fou et se faire passer pour un fou. Idem encore avec une araignée, il était parti se cacher pendant longtemps, il se demandait mais Hachem à quoi ça sert l'araignée, je vois pas d'intérêt à l'araignée sur terre. Jusqu'au jour où il est parti se cacher dans une grotte et il y a eu une araignée qui est venue qui a tissé très rapidement une toile et quand les ennemis sont venus le chercher, ils sont à peine rentrés dans la grotte, ils ont vu la quantité de toile d'araignée qu'il y avait, ils se sont dit bon c'est sûr qu'il est pas là, donc du coup tu vois bien que chaque chose, elle a son heure d'apogée, son heure de réussite. Et voilà, Mishnah Dalet. Rabbi Levitas Ish Yavne Omer, Me'od Me'od Evesh Fal Ruach Shetikvat Enosh Rima. Rabbi Yochanan Ben Beroka Omer, Kol HaMechalel Shem Shamayim Baseter Nifraim Mimenu Begalui, Echad Shogeg Ve'Echad Mezid Bechilul Hashem. Rabbi Levitas, l'homme de Yavne, avait l'habitude de dire, Me'od Me'od, beaucoup, beaucoup, Evesh Fal Ruach, sois humble. Cheval rouar, ça veut dire avec le vent bas, c'est-à-dire sens-toi humble au maximum, à l'extrémité. Chez Tikvat Enosh Rina, car la Tikva, l'espoir, l'espérance, la conséquence, la suite de tout homme est de repartir à la vermine. Il nous apprend une règle que Vartenor explique, c'est qu'on est sur le Rambam, je crois, qui nous apprend que dans toutes les midot, il y a ce qu'on appelle le chuvil azahav. Il ne faut jamais être ni dépensier, ni radin. Il faut le milieu. Dans chaque midot, ne pas être triste, ne pas être un peu trop farfelu, trop saméa, trop joyeux, quoi. Être normal pour toutes les midot, à une exception, la mida de la gava, l'orgueil. Il nous apprend, Rabbi Levitas, va à l'autre extrême. Elle est tellement dangereuse, la gava, l'orgueil, qu'elle fait tomber tous les hommes, que éloigne-la et va à l'autre extrême complètement. Mais od, meod, veshfal, roar, sois très très humble. Shetikvat enosh rina. Car finalement, te prends jamais pour quoi que ce soit, parce que la conséquence, la suite de chacun va être de repartir à la vermine, donc de quoi tu vas pouvoir t'en réguler, d'accord ? Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Rabbi Yochanan ben Broka avait l'habitude de dire « Kol HaMechalel Shem Shamayim Baseter Nifrayim Meminu Bagalui » Tout homme qui profane le nom d'Hachem, Baseter, en cachette, Nifrayim Meminu Bagalui, on va du ciel lui faire régler sa dette, en public devant tout le monde. Tout le monde va devenir épaté, ébahi par le fait qu'un homme qui pouvait se montrer tellement pieux, d'un coup, on réalise qu'en réalité, c'était complètement véreux son mode de vie. Il nous apprend donc tout celui qui avait l'habitude de profaner l'honneur d'Hachem. Il y a un Tiferet Israël qui rallonge, qui explique qu'en réalité, on parle particulièrement des gens, des tzvouim, des gens qui ont une double apparence. C'est-à-dire, il y a ce qu'ils sont réellement, et ils se montrent extérieurement à être des gens grands, sadiqués, mais en réalité, par derrière, ils font tous les 400 coups, ils font toutes les choses les plus sales possibles. Vient le jour où
du ciel, on lui allume tous les projecteurs sur lui, et du coup il se fait attraper. Keganav ani nimtza b'marteret, comme le voleur qui se fait attraper la main dans le sac, avec le flash qui vient et qu'il est tout d'un coup tout le monde voit que en réalité cet homme-là c'était un homme faux. Echad shogeg ve'echad mezid bechilul Hashem, qu'il soit shogeg, qu'il faute par inadvertance, par manque de sans volonté, mais malgré tout par pas négligence, ve'echad mezid, ou que ce soit consciemment, consciemment et inconsciemment, c'est shogeg mezid bechilul Hashem, on est tous, on transgresse le grave interdit de Chilul Hashem, et donc Hashem va venger son Kiverol, va venger son honneur en fait d'avoir été profané en dévoilant au grand public que la personne elle-même elle est en réalité elle est fausse et que en réalité il peut paraître très tzaddique, mais au fond de lui en fait il méprise et néglige l'importance de la Avodat Hashem. Le principe du Chilul Hashem de manière générale, les Chalel Hashem, c'est assez vaste comme sujet. Il y a même un interdit de la Torah, bien sûr, le Techalelu et Chenkochi, vous ne profanerez pas l'honneur d'Hachem. La notion de profaner d'Hachem, c'est tout ce qui va pouvoir rendre la Vodat Hachem, le service d'Hachem, comme quelque chose de secondaire, de moins important. Ça va très loin dans les exemples que la Gemara rapporte. La Gemara rapporte que, au contraire, même plus, on va être investi dans la Torah, dans la pratique. Et plus au contraire, on risque d'être mechalel shem shamaim en faisant une action quelque part, en montrant que telle transgression elle est bénigne. Si devant tout le monde, je vais me mettre à parler mal de quelqu'un, je vais montrer aux gens que finalement parler du mal d'une personne, c'est pas si grave que ça. Et suite à ça, les gens vont recopier sur moi. C'est en ça que ça s'appelle une grave. C'est en ça que c'est particulièrement grave. Ça refroidit la crainte et la révérence qu'on devait avoir en l'honneur d'Hachem et des mitzvot. Ça, c'est la notion donc, du Chilul Hashem. Donc la Mishnah assure que, Chas v'Shalom, il faut ce qu'on veut paraître, montrer de soi, il faut être à l'intérieur de soi aussi, veiller à ce que même en cachette chez soi à la maison, qu'on ait le même niveau de Yirat Shamaim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov.